Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, dans lequel nous jouons l'Empire français. Il nous fallait un objectif. Il y a la possibilité d'aller en Islande, donc au Nordland, au Australand ou au Vestland, pour aller faire quelques conquêtes. J'avais une possibilité ici, mais j'ai pas encore ce qu'il faut. J'ai recruté quelqu'un dans ma cour qui a des des revendications, voilà, envers toute la Grande Moravie, donc ça peut valoir le coup. Mais actuellement, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas de casus belli. Si je veux aller là-bas, c'est direct en guerre sainte, je crois. Hein. C'est pas non plus foufou. Proposer la vassalité, il refuserait. Il faut un casus belli. Bah. Une seule chefferie. Acheter leurs revendications. Conseil d'amis. Ok. Où est-ce que j'ai fait recruter lever mes troupes, moi? Je sais plus du tout. On va le faire là. Et on va aller au Westland. Revendication, chefferie, ouais, j'ai qu'une partie, effectivement. C'est le mauvais côté de la chose, c'est pas bien grave. Artefact queue de renard a été détruit. Dommage, 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 dommage. J'ai ce qu'il faut, oui, j'ai ce qu'il faut. À la place. Allez, on va y aller direct. Une fois que ce sera mes troupes seront levées. Et je vais en profiter pour. Ouais. Voilà. Vérifier. Ah, il est orthodoxe. J'ai bien fait d'aller checker un coup. Il soit bientôt. Soit le roi Paul, ça c'est bon. Là, ça grandit par là. Est-ce que. Oui. Par là, ce serait bien de jeter un œil aussi. Ok. Ah. Des bons. Oula, le duc Ishak de mon pays a été excommunié, mais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. Excommunication? Non, ça s'est emprisonné. Les revendications, on m'en fout. On prend la mer. Parfait. Ouf, il vaut cher. Je vais le rançonner. Ça fera un petit peu d'argent de côté. Ah d'accord, je débarque de là à là. Ah ouais, oh, c'est efficace, dis donc, le débarquement. Alors là, je m'y attendais pas. On va aller chercher hein, par contre. Pas moyen qu'on le laisse se barrer. Vassal, la reine, il va être prisonnier par le duc. Prisonnier libéré direct. Oh bah tiens, qu'est-ce que je fais là moi? Oui, mais. En tâche du commandant 105. La vache. C'est une belle victoire. Hop, je vais prendre la moitié de mes troupes et je vais leur dire.
Allez là-bas. C'était expéditif, hein. Ok, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Ma petite fille. Oh. Ma petite fille est devenue héritière. Oh, mais que c'est beau. Magnifique, n'est-il pas? Par contre, j'ai eu beaucoup de filles, et ça, c'est gênant. Mais elle me donne plus d'enfants. Elle est un peu trop âgée. Hein. C'est dommage, j'aurais eu combien d'enfants? 13? Pas ouf, hein. Je suis d'Autriche, ok. Et mon successeur, mon héritier, c'est le roi Simon de Sicile. Le problème, c'est que j'ai l'impression que mon pays... Oh! Attendez! J'avais pas vu ça! Promulguer loi de la couronne absolue, impôt d'évasion plus 35%, contribution délevée plus 35%. Bon, les opinions sont pas ouf. Ah bon? Les vassaux ne peuvent pas engager une guerre à moins qu'ils utilisent un absent que leur seigneur dit. Les dirigeants peuvent désigner leur héritier. Oh! Oh, 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 oh. Les vassaux d'un gouvernement clanique fourniront 25% de moins, au moins de levée, 10% de revenus. Alors, les niveaux précédents, ok, ouais, bon, on va promulguer la loi, hein, y a pas de... voilà. Je peux changer mon héritier maintenant. Ouah, titre perdu à la succession, 6. Oh, on peut dire qu'une... qu'une femme prenne la tête du pays, c'est bien ça. Bah, toujours pas l'égalité des sexes, hein. Là, ils ont du mal avec ça. J'ai vraiment pas tant d'héritiers que ça en plus. Hein. Notre lignée, elle est pas ouf, hein. Franchement. Il faut beaucoup plus de gosses là, il faut des gamins à gogo là. Je disais, je sais plus moi. Agent présomptif, le roi Julien, désintéressé. Ouais, mon héritier. Ah, c'est vraiment la Sicile quoi. Sardaigne, votre arrière-petit-fils. Fils du roi Paul. Qui est déjà mon arrière-petit-fils. Ah ouais, il est tellement loin qu'il est même plus considéré comme mon gamin. Si je réussis. Hop là. Alors. Alors. Ça, je vais pouvoir l'accorder à... J'espère que je vais pouvoir l'accorder. Qui es-tu? Tu as de la revendication, toi? Ouais. À elle, je crois. Je peux pas accorder le titre. Oh. Faudrait que je l'accorde à quelqu'un qui soit pas marié. C'est ce qu'on va faire. Je vais lui accorder à lui, à Adémar. Et Adémar, je vais lui trouver la conjointe. Oui, oui, alors je voudrais bien lui trouver. Arranger un mariage avec...
Je peux plus. Ah zut, il y aura un sens. Merde, c'est con ça. Hein? C'était qui, toi? Arranger un mariage. Non, c'est trouver un conjoint. Hein? Comment ça, personne? Ah. Et là, faut que je trouve Adémar. Oh merde, on n'est pas sorti de la berge, hein, comme on dit. Comté de Vertland, c'est quoi la famille? R-E-Y-K-J-A. Quoi? R-E-Y-K-J-A. Attends, comment ça? Wesh. Terrible. Je peux pas le marier? Oh, j'ai un mariage. Terrible ça. Comment ça s'appelle? Anna. Je peux pas. Ah si, voilà. Toi. Avec le compte à démarre. Eh ben. Wesh, comment ça, refus? Serait peu fertile. Mais on s'en fout. J'en ai rien à foutre. Tu la prends, mais. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Il y a des fois quand ça veut pas. Ça veut pas. Bon. Ouais, je peux pas. Proposer la fatalité. Il refuse. M'en fous. On va changer le point de ralliement. On va tout mettre ici. À part, on va continuer en Eurolande, etc. Faut bien conquérir un peu cette île, cette belle île. Vassalisation forcée. Très bien, très bien. Bonjour à toi. Bon, il va se barrer, c'est ça? Vous allez probablement perdre. Ah bon. Soit. Sur Cracovie. On va compter. Ouais, ça... Votre petite fille est faite prisonnière. On a perdu un territoire là, non? On a perdu un territoire, bien évidemment, on a perdu ce territoire là. Alors faire attention les gars, va perdre des territoires aussi bêtement. Hein. Ça va pas le faire, sinon moi je vous dis ça va pas le faire. Alors relation, il n'y a pas un rival ou un truc comme ça là? Le roi Paul a été excommunié. Oh, et Paul, qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, toi? Mon gosse. Qui se fait excommunier, putain. Couillon, là. Heureusement, il a un héritier, ça va. Bon, ouais, sinon, on se fait une croisade un jour. Comment ça se passe? Il a quel âge, lui? Oh, putain, t'as vu les rides, il est pas tout jeune. Bon, tu me diras, il a peut-être... Il a pas beaucoup, il a quoi? Il a la moitié de mon âge, un truc comme ça. Je vais essayer de devenir ami avec lui. On va voir ce que ça peut faire. Je vais le gracier, ça reste mon gamin quand même. Ah non, mon arrière-petit-fils. Ah oui, non, c'est vrai.
Vrai que de tous mes fils, bah j'en ai plus en fait. Ah si! J'ai mes jeunes fils, le roi Julien l'Honnête, le prince Thiop de France. Oh, jolie barbe. J'aime beaucoup. Excommunication, minorité est arrivée. Ah! On a gagné. C'est qui? C'est dirigeant de Bohème, m'en fous. Un petit-fils, le roi Simon. Lui, je vais... ouais. Je vais oublier la partition. Où est-ce que j'en suis? Je peux pas voir le nombre de... Et comment je peux l'augmenter ça? Parce que bon... Comment je peux augmenter la vitesse de la recherche? Progrès de base, développement moyen des comtés de culture en français plus 0,22. Erreur précédent plus 0,2. Ah oui, partage une religion avec les Bédouins. Fascination. Ah, développement moyen des comtés. Plus les comtés sont développés et plus... ok. Attends, je vais appuyer mes exigences déjà. Je vais disperser mes troupes. Toi. Hop, reconvertis-toi. Toi, tu es déjà converti, je crois. Ouais, il a vite trouvé une femme. Je vais aller choper ça pendant que j'y suis. Vassalisation forcée. Bon là, ça va mettre un peu plus de temps à venir. Forcément. Alors lui, pour aller là, il va prendre la mer. Ah, d'accord. Oui, je voulais voir si je pouvais développer les comtés et pas que les miens. Parce qu'apparemment ils sont longs. Je peux pas améliorer. Ah, seigneurie. Ça m'arrange pas tout ça. Les revendications. Nos guérisseurs, rien à foutre. Oh, j'ai plus de... quoi? Comment ça? Ah si, je me disais aussi. Pourquoi j'avais plus d'épée là d'un coup? C'est bizarre, j'ai pas de propriété construite ici. Un évêché. J'ai pas de... Moi je m'en fous. Ah là, c'est con ça. C'est pas aménagé partout. Oh, mais j'ai fait une belle erreur. Mais comment ça se fait? Oh, c'est... Peut-être pas avoir la techno à l'époque. Oh là là. Cherbourg. Cité. Attendez, on va construire un temple. Zut. Zut de flûte, de zut, de zut. Ici c'est bon. Ici. On n'a pas de temple. Ici. On a un tchak. Ici. On a pas de temple. Oh là là. Oh, j'avais vraiment pas fait attention. On a un temple. On a un château. On n'a pas de cité. On va faire une cité.
Et on va faire... bah on a déjà un truc en construction. Mince! Ah, j'avais pas vu. Terrible, ça. Terrible. Et ici, j'ai pas non plus de... Si, c'est en train de se faire. Okay. Bah, voilà. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, bah ça avance. Ah, con de moi, j'avais pas vu. On va les aider ou pas là-bas aussi Ouais, allez, on va leur faire une cité. Hein. Hop. On va dépenser un peu d'argent, on va améliorer nos... améliorer les environs. Les petits coins de ci, de là, là que je vais améliorer, par exemple la Corse, on va l'améliorer. Allez. On va leur faire un... temple. On va les faire aussi là. Inolka. Ouais, voilà, tu me diras, c'est vrai. J'ai gagné une bataille, très bien. Où est-ce que je pourrais améliorer d'autres? En fait, tout ce qui est en culture française, hein, c'est quoi dire, mais... Attends, il y a deux... Attends, c'est... La propriété sous occupation. Ah, c'est con, ça. Hein. Allez, faites-moi des temples, les gars, je veux des temples. Là, je veux une cité. Là, faites-moi un autre temple et je ferai une autre cité encore. Ici, mais il n'y a pas de temple. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de temple en fait. C'est terrible ça par contre. Voilà, bah, il n'y a que des temples. Alors là, faites-moi une cité s'il vous plaît, mec, moi. Avant de faire de la... Allez, faites-moi un temple. Ici. Un temple. Bon, c'est flamand après dans le coin, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Ici, je veux aussi un temple. Eh ben, tu m'étonnes, ça va pas se développer très vite tout ça. Hein. Ah vache. Nevers, faites-moi un temple là. Ah! C'est con, j'ai essayé de devenir ami avec lui et il est mort. Pas de chance, hein. Montaigu, fais-moi un temple. Ah, mais y a... Terrible, comment ça? Ah, c'est Occitan! Les Occitans, ils peuvent pas faire de temple. C'est con, ça. Loche, c'est bon. Ah, ok. Voilà, ok. Toi. Ok, il doit y avoir une cité avant ici. Ça s'est lancé. Rien ici. On voulait pas faire un château quand même, au cas où. Je dis ça à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de temple non plus. Il y en a nulle part des temples, c'est un délire. Bon, ça me coûte très cher, mais... Ce sera rentable à terme, normalement. Une cité ici, s'il vous plaît. Ici, attends. Là, une cité. Voilà. On me dira pas. Oconienne. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'ai? On peut gracier le... Oula, excommunication. Non. On va demander de l'or, mais on peut que je peux demander de l'or, vu ce que j'ai dépensé pour faire des temples là.
Il y a intérêt à ce que j'ai un peu d'or. Hein. Putain. Pour le coup. Là, je veux dire, j'en ai construit des trucs. Hein. J'ai dû en faire une bonne dizaine, vingtaine. Bon, même plus des temples. Hein. On a un moment quand même. Piété, ah oui. Bien, piété. Putain, j'en aurais fait des trucs, hein. Après, ça se voit dans mon... Non, oh la vache. 109 ans. J'en ai passé des trucs en 109 ans. Enfin... Un peu moins de 109 ans, puisqu'il a, il a pas régné 109 ans. Mais... Bon, nature solide... chaque enfant vous donne un point d'étude aléatoire, ok. Et patriarche, ça me donnera quoi? Fécondité, perte de stress, opinion de ma famille, de ma maison. Okay. C'est pas le plus important. Voilà. Facilisation forcée, j'appuie une exigence. On maîtrise une grande partie de l'Islande. Alors, on va créer le duché d'Islande avec comme capitale. Cet endroit, duché d'Islande, je t'accorde ça. C'est ça, simple palissade, un passe commerciaux, ok. On va former des alliances avec qui? Non, je m'en fous. Tiens, hop, tiens, hop. Voilà. On va voir si je peux changer un peu les contrats de vassalisation. Toi, je veux juste m'assurer d'une chose, c'est que... Voilà. Toi, c'était bon. Julien. Julien, ça fait deux fois. L'honnête. Julien, ça fait deux fois. Tu vas rester en prison, mon ami. Hein. C'est deux fois que tu essaies de tuer les membres de ta famille. T'as beau être chancelier, faut arrêter de se foutre de ma tronche. Voilà. Le roi de Navarre qui va prendre ta place en plus. Oh, il est badass, le salaud. Oh la vache, 32 en intendance. Attends, il est où? Ah ouais, ouais, ouais. Lui, on a, ils sont pas très bons, hein. 32, ouais, non mais lui... Faut créer le duché de Cordoue. Ah ouais. Ah, c'est cool. C'est-à-dire, on a pris assez de territoire. Trop bien. Bah c'est toi qui vas devenir le duc de Cordoue. Ça c'est hyper la boule. Je me fais piller. Je me fais piller, je me fais piller. Hein? Mais c'est pas chez nous ça. On se fait piller d'où? Ah ouais, on parle. C'est pas, pas bien grave. Votre ami Mélusine a péri. À quel âge? 61 ans, ça va. C'est mon ex, on s'en fout de toute façon. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bien la reconquista, elle se passe bien là.
Il est en train d'essayer de conquérir, j'ai l'impression, lui. Ça va mal se passer pour lui, hein. Bon, je peux toujours pas... Il faut attendre un peu. Je m'entraîne avec lui. C'est où? C'est où? Sur l'onde. Sur l'onde, machin. Là, je l'ai pas passé, là? Non. 2 ans. Ah, 109 ans, toujours la pêche. Beaucoup en redoutabilité, il est infirme le pauvre. Défi au jeu de plateau. Tu es un barbare. Ça ne marche pas. Ça comme prévu. Il commence à gagner. Donc que nous soit proche de la victoire. Aïe aïe aïe. Et j'ai mal joué. J'ai aimé que les questions de monnaie soient si simples. J'aurai dans l'argent une fois même. C'est une question de logistique. Allez. Nous sommes au coude à coude. C'est bon, je suis remonté. Pas à ce coup. C'est bon, j'ai réussi à remonter. Une partie. Ça fait quoi de perdre, petit homme? Petit homme. Là, ça grandit, tout ça, ça grandit. Hein. Il y a plein de micro-royaumes, par contre, et je peux pas proposer la vassalité, ça c'est cool, c'est pas cool. Question de foi. Au niveau de la Germanie, c'est... Mon petit-fils. Faudrait que je le fasse assassiner, lui. Attends. Ouais, comme ça, ce serait de famille. Je vais le faire assassiner pour que ce soit un membre de ma famille qui... Grand goutti de pays de Galles. Oui. Il faut que je sois redoutable, sinon... Ah, ordre orthodoxe fondé, merde. Ça c'est con, ça, bon. Défier ma petite fille au jeu de plateau, mais c'est un délire ça, comment ça? Mais elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Je lui ai proposé la tutelle. De la convertir à la foi et à ma culture. Et bim. Et je le ferai vite assassiner lui pareil. Il a quel âge? 61 ans? Non, il va bientôt y passer tout seul. Pas besoin. Attends, pourquoi j'ai... Oui. Heureusement qu'on a une alliance. Ah! Je me suis fait... Il est au courant, ça va être plus difficile. Mais pas impossible. On va voir, qu'est-ce que je pourrais conquérir? Ça. En fait, je pense qu'il me faudrait une terre dans le coin, là.
Oui. Je peux avoir une terre dans le coin, ça m'arrangerait. Là-bas, ils sont pas encore convertis. Ah, de ci, de là. Ah, mais non, c'est la Suède. Ouais, mais ça, le problème là, c'est que ça. Le mieux, ce serait ça, hein. Ah, le mieux, ce serait vraiment là. J'ai pas de casus belli. Je vais acheter une revendication. C'est quoi leur langue? Ah, zut. C'est pas là que je voulais, c'est pas grave. Hop. On va y aller. Bon, on pourra pas faire grand chose contre moi, de toute façon. Y'a pas d'alliés. Bon, ça va mettre du temps parce que bon, forcément, ça, les troupes elles sont un peu loin quand même. Faire un point de ralliement, on va le changer pour non, Rouen, c'est bien parce qu'on a accès à la mer pas loin au cas où pour intervenir à plusieurs endroits. Là, tout ce que je vois, c'est mon petit héritier. Alors, votre petit-fils avec mon arrière-petite-fille. Ah, vive la consanguinité, hein, bordel, hein. Pas ouf, hein. Mauvais recensement, bah, bravo. Tu félicites pas, toi. Convertir le duché, améliorer les relations, tu me diras. Oh, pas mal de levées quand même. Hein. 2000 levées juste grâce à lui. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Bah alors, les mecs, faudrait y aller, hein. J'ai mal envoyé, ouais. J'ai mal cliqué. Bon, après, heureusement, une fois qu'ils sont en mer, ils devraient pas être très embêtants. Qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est la mer, hein, comme il y a du trajet. Hein. Non. Je
un petit territoire là comme il faut. T'as des revendications où toi? Ouais, t'as pas plus de revendications que ça. Viens voir. Je pourrais organiser un festin. À mon retour. Mon hérétique a déjà 36 ans, hein, ailleurs. Oh, les contrées sauvages sont si dangereuses. Regardez-moi ça, la Germanie. Oh, en plus c'est un René. Oh merde alors. Ah c'est con ça. Oh, maison de reine. Oh. T'inquiète. Hein. Et voilà, on a notre famille à la tête de la Germanie. Alors on va quand même refaire une alliance avec la Germanie, qui était utile. Ah non, je l'ai pas perdu l'alliance à la Germanie. Bah oui, c'est de ma famille, donc je suppose. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien un peu nombreux, mes braves. Le roi d'Angleterre qui fait son travail. Très bien, ils apprennent tous ma langue, ça c'est parfait. Je suis à combien d'années là pour ça? 2 ans. Toi, tu vas aller sur cette tribu. Toi, toi et toi, vous allez aller sur cette tribu. Qu'est-ce qu'il a fait? Torturer un membre de la famille. Il va finir en taule lui. Pas des gens de ma famille comme ça. Non mais oh, y'a que moi qui ai le droit, ok? Hop, toi je te relâche si... Converti, toi pareil. Adieu, adieu. Adieu, adieu. Voilà, le siège est fait. J'en ai deux en préparation. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal du tout. Ah, il y a trois gros royaumes là qui se tirent la bourre. 4 même, les steppes pontiques. Ponte. Alors. Le royaume de Ponte. Il me semble qu'il était un peu plus par là quand même. Hein. Ok. Oui, on va arriver. Secret à ma femme. La bonne vieille, mais. Adela. 59 ans. 58 ans, pardon. C'est vrai qu'elle a des revendications sur toute la Germanie, elle aussi. Ouais. Si seulement je pouvais... Une petite épée. Pas bien impressionnante, mais bon. Ainsi soit-il, on peut tout disperser.
On va féodaliser, bien évidemment. Attribut, parce qu'il faut pas déconner. Comte Hugo, comté de Lille. Non, lui, on ne touche pas pour l'instant. Et toi, oui, dehors, allez. Voilà qu'on a un pied un peu plus à l'est, ça c'est bien. Alors par contre... Oh non, mais c'est pas vrai. Alors, non mais... Pourquoi j'ai modifié... J'ai mal au crâne. Il va arriver chez moi à force de percer lui hein. Bah, s'il se rend compte hein. Pourquoi j'ai modifié le contrat vassalique? Simplement parce qu'il a essayé de faire deux fois il a tenté de tuer quelqu'un de ma famille. Ouais, les factions, les fameuses. Un membre, trois membres, cinq. Ouh, cinq membres. Ah oui, bon, ça c'est normal. Oui, tu vois ce qu'il veut là. Alors, ouvrir l'inventaire. Ah oui, mais c'était un truc pourri, on s'en fout. J'ai juste défilé jusqu'à la fin, c'était ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça non plus, je suis sûr que c'était une arme pourtant, ça. Ah oui. Non, je veux pas ça, c'est nul. Je veux garder ça, moi. Hop, et on est un patriarche. On pourrait débloquer autre chose. Intendance, martialité, c'est un peu tard. C'est très légèrement tard. Fais un truc qui peut m'intéresser. Luxure, non. Luxure, non. Peut-être savoir si je prends. Non, on va partir sur intendance. Tyrannie mensuelle, moi, non. Architecte, ça peut être pas mal. Vendre des titres? Ah ouais. Opinion populaire plus 50? Ah ouais. Je vais faire ça. Hein. Partir sur architecte. Terre et richesse. Voyons. Parfait. C'est la fille de l'empereur byzantin en plus. Revendication du duc Igor. Revendication, revendication. La revendication de l'impératrice. Oh merde, c'est un comté pourri. Attends, faut que je revoie moi. Oh.
Royaume de Bavière. Oh. Oh. Oh, ça c'est bien ça. C'est que du duché, pas intéressant. Que du duché, pas intéressant. Royaume de Bavière, ouais. C'est un prince évêque, on m'en fout. Des comtes, ça doit être des comtés, comtés si, ouais. La princesse Adela. Ouais. Je croyais qu'elle avait aussi le royaume de Germanie, moi. C'est fou, la princesse Adela, elle a que dalle. Ouais, mais c'est mon petit-fils, je vais... après... T'as un duc, là? Attends, c'est quoi? C'est un duc qui... une duchesse qui peut revendiquer un royaume, là? Où est-ce que j'ai vu ça? Non, mais non, attends. Un duc Igor, toute la Bavière, ça serait pas mal, quand même, enfin... Alors j'y réfléchisse, hein. Alors j'y réfléchisse, en vrai, là. Y a quelque chose à jouer, mais... Hein, pape? Pardon? Mais... Comment ça? Le pape devient votre vassal? Ah, c'est intéressant, ça! Ah, c'est très intéressant, là, il y a deux choses à faire, là. La Bavière et vassaliser le pape. Ouais, je regarde ça. J'irai voir ça dans l'épisode d'après. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Là, il y a du contenu pour l'épisode d'après. Là, Germanie et papauté, il faut que je m'en souvienne. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi. Désolé pour le bruit. À très bientôt, c'était Thiob.